Donc voilà à quoi leur ressemble le bracelet de cet Apple Watch acier, enfin ce faux bracelet d'Apple Watch acier en l'occurrence. C'est une Apple Watch Series 2 en aluminium pour ceux qui ne suivent pas le site régulièrement. Et le bracelet est un bracelet en tube, acheté pardon, sur Amazon pour une trentaine, une quarantaine d'euros. Je me souviens plus du. C'est très honteux de ma part de ne pas me souvenir du tarif. 40 euros, je crois, ou 30 euros, bref, on s'en fout. C'est que dalle par rapport aux 609 euros du bracelet normal. Il s'ouvre de la même manière avec les petits boutons ici. C'est d'ailleurs même bluffant que le mécanisme soit exactement le même. Et la différence étant que pour l'ouvrir, il n'y a pas, pour changer les maillons, il n'y a pas les petits boutons derrière comme sur le bracelet d'Apple. En réalité, il y a tout simplement des petits point, vous voyez ici un picot et vous le voyez également ici, clac, un, deux, trois petits picots. Et en fait, c'est le même principe que sur les bracelets des montres standard. Il faut venir appuyer à l'intérieur de ce petit trou pour sortir un espèce de piston qu'il y a dedans et qui libère un maillon. C'est un peu chiant, d'autant plus que les trous sont très petits et qu'il n'y a pas d'outils fournis avec le bracelet. Essayez de trouver quelque chose chez vous qui permet d'adapter ça. Après, il y a une légère différence de couleur, comme vous le voyez là. Si on fait exprès de la faire sortir, effectivement, le bracelet est plus sombre que l'Apple Watch. En pratique, réellement, ça ne se voit pas. Parce qu'il y a toujours un reflet, il suffit que je me mette comme ça et ça ne se voit plus, en fait, tout simplement, puisqu'il y a un reflet sur la montre. Le bracelet n'est pas parfaitement ajusté, pas aussi bien ajusté que celui d'Apple. En l'occurrence, ici, je ne sais même pas si vous le voyez, il y a un petit bout de picot qui dépasse, un petit bout de bracelet qui dépasse là. Mais c'est très laid, c'est très laid, c'est très laid. Il faut vraiment appuyer sur un côté pour que ça dépasse réellement. Et après, c'est juste magnifique, quoi. Ça vaut pas le coup de se faire chier. C'est classe. Je le trouve très bien. Il est un peu moins confortable que celui d'Apple pour une raison toute simple, c'est qu'ici, l'angle ne se fait pas de la même manière. Sur le bracelet d'Apple, même le dernier maillon ici vient bouger et du coup, il est très confortable parce qu'il vient réellement bien absorber la courbe de votre poignet. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, clac, il y a un petit débord. Donc en réalité, il est. Hop, je peux même l'enlever pour vous montrer un peu mieux. En réalité, il est quand même assez plat en bas. Voilà, le bracelet en fait cette forme-là, alors que celui d'Apple, ici, vient chercher un petit peu plus sur les derniers maillons. On a quand même une meilleure courbure. Mais encore une fois, à 30-40 euros sur Amazon, ça vaut pas le coup de s'embêter. Je trouve ça très très classe. Il existe également en gris, si vous avez une Apple Watch aluminium standard. J'ai pas testé, j'ai même jamais vu, mais vous d'essayer, vous pouvez toujours le commander sur Amazon, et si ça va pas, de le renvoyer. Voilà, des bisous.